Si vous visitez Cologne, voici quelques conseils sur les sites à découvrir dans cette charmante ville en plus du célèbre carnaval. Et retrouvez à la fin un conseil bonus pour économiser de l'argent pendant l'Euro 2024. Lors de votre séjour à Cologne, ne manquez pas de visiter le Kölner Dom. C'est un monument emblématique de la ville et les habitants de Cologne l'adorent. Officiellement connue sous le nom de Haute Cathédrale Saint-Pierre, elle a plus de 700 ans d'histoire. C'est l'une des plus grandes cathédrales de style architectural gothique et la troisième plus haute église du monde. À l'intérieur, vous pourrez admirer de magnifiques vitraux, notamment le vitrail de Gerhard Richter, réalisé en 2007. De là, vous avez également une vue fantastique sur la ville. Mais seulement si vous montez les 533 escaliers jusqu'à la plateforme d'observation. Le musée Ludwig est un incontournable pour tous les amateurs d'art. Il propose un voyage fascinant à travers l'art moderne. Et pendant les mois d'été, le musée organise de superbes événements sur la terrasse du toit, d'où vous aurez une belle vue sur la cathédrale, notamment au coucher du soleil. Ensuite, vous pourrez admirer le pont Hohenzollern, le plus grand pont ferroviaire d'Allemagne. Il relie la vieille ville au quartier de Deutz, également connu sous le nom de Schelsig. Le soir, lorsque la lumière illumine à la fois la cathédrale et le pont, il devient un lieu de prédilection pour les selfies. Des sentiers piétonniers des deux côtés du pont sont particulièrement connus pour leur cadenas d'amour. Grâce aux écluses, le pont change constamment d'apparence et il n'y a pratiquement pas de place vide sur la clôture. Si vous avez faim en chemin, vous pourrez également déguster l'un des meilleurs kebabs de la ville. Il est préparé par nul autre que la légende du football Lukas Podolski. Et si vous avez envie d'une kölsch bien fraîche, l'Altermarkt est l'endroit idéal. Il est important de noter qu'il n'y aura pas de match de football ici dans la Lanxess Arena. Le stade Rhein Energie, le stade du FC Cologne, est le théâtre de toutes les actions. Certains le surnomment Müngersdorfer Stadion. Des victoires y ont été célébrées, mais malheureusement, quelques larmes ont également été versées ici. Le stade a été reconstruit pour la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne et dispose de 45 865 sièges pour les matchs internationaux. Si vous visitez l'Allemagne, votre téléphone portable se connectera à un réseau local, mais celui-ci dépend de votre fournisseur actuel. Si vous avez de la chance, votre téléphone se connectera à notre réseau, qui s'appelle Télécom. Vous bénéficierez automatiquement de notre Internet 5G ultra rapide et pourrez partager des photos et des vidéos avec vos proches restés à la maison en un clin d'œil. Si ce n'est pas le cas, voici un conseil très utile. Pendant le championnat d'Europe, il n'y a aucune restriction de données sur notre réseau mobile. Donc si vous voulez voir tous les matchs des championnats d'Europe et que vous préférez profiter du soleil sans être obligé de rester dans un bar sportif sombre, procurez-vous une carte SIM Magenta Mobile Prepaid M pour 9,95€ et regardez simplement les jeux sur votre téléphone portable. Ceci est notre cadeau pour vous. Je vous souhaite à tous un excellent championnat d'Europe 2024 et bienvenue à Cologne.